Mes chers amis, je voudrais remercier le mouvement Loubavitch Je me permets d'être dans la rue avec vous, parce que ce soir nous fêtons Hanouka, la première bougie de Hanouka, et nous sommes heureux parce que nous savons que quand les Juifs et je le dis tous les ans, quand les Juifs sont dans la rue, ils sont dans la rue pour dire l'amour, pour dire la force, pour dire notre identité, pour dire notre citoyenneté, pour dire notre amour des valeurs de la République et notre amour de notre citoyenneté. Et notre amour du judaïsme. J'ai là derrière moi, pendant que je parle, à la fois la Tour Eiffel, à la fois le drapeau français et à la fois la Chanoukia. Et dans tous les pays du monde, c'est derrière les monuments historiques de chaque pays, le drapeau de chaque pays et la Chanoukia. Parce que les Juifs, notre petite minorité dans le monde entier, nous savons à la fois respecter les pays dans lesquels nous sommes, nous savons faire les prières. Pour les différents pays dans lesquels nous sommes et conserver avec une force et une foi tous les critères et toutes les valeurs de notre identité. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais peur. Ce n'est pas moi qui n'ai pas peur. C'est tous les juifs qui n'ont pas peur. C'est jamais un juif qui a peur. Parce que nous savons que nous sommes dans le vrai et que nous sommes dans le droit chemin. Et que dans notre histoire, malgré les haines, malgré tous ceux qui ont voulu nous détruire, nous n'avons jamais haï personne, nous avons toujours aimé et nous avons toujours cherché à déplacer et à déplacer toute notre communauté simplement, simplement pour aimer Dieu et pour aimer les valeurs de notre transmission. Je voudrais ce soir ce soir remercier la préfecture de police et les forces de police qui nous ont autorisé ce rassemblement. Ce n'était pas évident. Aujourd'hui, après les attentats que nous avons connus, de laisser de laisser des rassemblements, mais parce qu'on sait que dans, quand nous nous rassemblons, nous nous rassemblons simplement dans la dignité, que nous nous rassemblons pour nous réunir et pour dire, pour dire à la France que nous l'aimons et pour dire qu'il n'y a jamais eu dans notre amour pour la France dans notre amour pour Israël, une contradiction. Nous aimons la Torah, nous aimons Israël, nous aimons les différents pays dans lesquels nous vivons, et nous aimons parce que nous les servons et parce que nous sommes des citoyens exemplaires et des juifs qui savons quel est notre, notre chemin. Hier, hier, et je voudrais vraiment le dire, j'ai vu comme vous, dans les télévisions du monde entier, qu'un terroriste avait poignardé à Londres. Dans, dans le métro, un terroriste. Et quand on voit dans les médias, quand ça se passe en Israël, c'est jamais un terroriste. Alors je voudrais le dire ici ce soir, dans notre histoire, nous avons traversé l'histoire avec des gens qui nous ont haïs, avec des gens qui ont cherché à nous tuer, avec des couteaux, les mêmes de Londres, les mêmes qui cherchent à nous tuer ici, les mêmes cherchent à tuer en Israël. Il n'y a aucune raison et je n'accepterai jamais qu'on fasse des différences entre les haines, qu'il y ait des haines acceptables et du terrorisme acceptable et un terrorisme explicable. Le judaïsme a traversé l'histoire, nous avons traversé les haines et aujourd'hui je demande à toutes celles et tous ceux qui parlent de ceux qui tuent des juifs ou de ceux qui tuent des Israéliens, qu'ils sachent que c'est les mêmes, et c'est la même haine qui est venue tuer dans notre pays en France, c'est cette même haine qui a tué à Charlie Hebdo l'année dernière, c'est cette même haine qui a tué à et c'est cette même haine qui est venue se déverser sur notre pays le 13 novembre, et c'est cette même haine qui tue dans les rues de Jérusalem ou dans les rues de Tel Aviv. Alors, mes chers amis, restons droits, parce que quand nous portons cette Kippa que les, que les Grecs ont voulu nous enlever quand nous mangeons cachère, que les Grecs en vont nous enlever, quand nous respectons le Shabbat, que les Grecs en vont nous enlever. Combien dans notre histoire des personnes ont voulu remettre en cause les valeurs fondamentales que nous portons, mais nous les portons encore, debout, dans les rues de Paris, dans les rues de New York, dans les rues de Jérusalem, dans les rues du monde entier, parce que nous savons que ce sont des valeurs de justice de liberté et des valeurs qui sont compatibles avec toutes les civilisations dans lesquelles nous avons vécu. À Israël Khaï, Hanouka Sameach et que la fiole d'huile, celle que vous portez chacun dans votre cœur, vous arriviez à la transmettre à vos enfants et vos petits-enfants parce que cette fiole, c'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire.